Genre, je peux en manger 40 à la suite, c'est trop trop bon. Ah bah, je saurais pas t'expliquer comment ce que c'est. Ça s'appelle chichi al maraco. Ah, je peux pas boire ça, genre. Tu t'arrives plus jamais sur ma chaîne. Ouais, mais en même temps, tu me testes comme un cobaye, wesh. Non, mais je les connais, les trucs. On dirait Poutine, il m'a enfermé dans une pièce, il m'a dit tu vas goûter ça, 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 ça. Ça goûte le Cheetos, mais en sucré. Lena goûte Kukuruz Nepalchka. Kukuruz situation. Bah, me touche plus à mes Kukuruz Nepalchka. Tu m'exprimes, ça fait rire. Ah oui. On dirait genre c'est grave tout le monde rap game, tu vois. Pour ta mixtape. Et ce soir, on reçoit Kukuruz Nepalchka. Il a quoi ton ventre? Il est trop gros. C'est trop gros? Elle tremble. Voilà, je suis grosse. Ok, bon, on va faire la miniature, t'es prête? Привет всем, добро пожаловать на мой канал YouTube. Очень приятно с вами быть. Je vais le faire en français, c'est peut-être mieux. En fait, c'est là où je devais arriver ou pas? Non. Ah, pourquoi t'as dit? Je t'annonce. Ah, ok, vas-y. Donc, je vais le faire en français, c'est mieux. Salut à tout le monde, salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Vu ma tenue, vous comprenez le thème de la vidéo. Ya ya ya. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une personne qui m'avait tant demandé. Un tonnerre d'applaudissements pour Joanne. Jojo, Joanne Paps. Très très bien, Ruby. Aujourd'hui on va faire quoi? T'es content d'être sur ma chaîne? Ah bah oui, c'était mon rêve. Aujourd'hui on va goûter. Je suis moche avec ça, tu vas le mettre toi hein. C'est moi qui mets? Oui, pour te mettre dans le thème. Parce qu'on va faire une dégustation. Oh putain, ça m'a aplati tous les cheveux. Bah ça t'a pas aplati autre chose. Effectivement, ils sont toujours présents. On va faire une dégustation de produits russes. Alors je suis allée à l'épicerie ce matin. L'épicerie, je vous montrerai la carte à la fin parce qu'elle est grave bien. Le mec, il a été grave gentil avec moi, il m'a grave conseillé. Donc voilà, donc on va faire une dégustation de produits russes pour que je fasse goûter à Joanne tout simplement en fait. Ouais grave, j'ai jamais goûté de trucs russes vraiment. Enfin à chaque fois que je vais chez Roubaba, sa mère a fait des trucs sur des plats, ouais, mais pas des cochonneries comme ça, des babioles. C'est pas trop des cochonneries mais... Des petites babioles quoi. Des babioles, exactement. On se retrouve tout de suite après le générique. Ah, je suis trop content de commencer. Tu fermes la fermeture éclair. Mais là, on va être retourné sur la table, non? On dirait que je sais, on est au PMU. PMU du coin, je te jure, j'ai raison dans la tête. Si tu veux une petite binouze. On commence par quoi? Je sais pas, tu préfères manger ou. Retourne-toi, c'est moi qui vais faire. Tu préfères manger ou boire un truc? Ouais, je préfère manger un truc. Sucré ou salé? Sucré. Ou on commence par le salé, tu penses c'est quoi le mieux? Je pense que c'est mieux qu'on commence par un truc salé. Vas-y, on commence par du sel. Ça, c'est du poisson séché. En Russie, ils boivent vachement ça avec la vodka et la bière et tout. On dirait des vieux ficellos qu'on peut aimer. Oh, ça pue. Ah putain, ça sent vraiment, vraiment. La chatte. Le poisson salé, puis du cul. Oh. Niska. Mange. Attends, mais moi je vais manger. Ça le goût un peu des trucs chinois. Ah, oh, c'est dégueulasse. Non, ça va. Bon, je mange pas ça tout le temps. Moi, c'est grave salé. On met une note sur 10 à chaque fois. Ouais. Je dirais. Alors, moi, je mets 3. Hein. 4 sur 10. Genre même 2. T'en remangeras pas un deuxième quoi. Non. Bah si t'es en train. Bah non. C'est très fumé en fait. Ça a vraiment le goût de la mer. Attends, je vais présenter. Ça c'est mes cornichons préférés. Genre c'est mes faves de chez Faves. C'est mieux que les amours. Depuis on voit pas bien. Ils sont trop trop bons. Putain. Fais gaffe, il y a de l'eau dedans cousin. Si, je pense qu'il y a un peu d'air. Voilà. Il y en a beaucoup. Ya ya ya. Tu te rappelles la remède ASMR? Il est énorme, mais moi, mais c'est marrant. N'importe quoi, mon père, je crois, je mange pas cela. Attendez, viens, on fait comme dans la vidéo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Roubaba. Mmh. Ils ont un peu le goût des cornichons McDo. Ils se sont trompés, c'est pas mes faves. Toi, t'aimes les aigres doux, non? Mmh. Ceux-là, ils sont bons déjà. Je mets 6 sur 10. Bah, moi, je mets 7 parce que j'aime les cornichons. On veut plus. Moi non plus. Tu veux boire un truc? Ouais, j'ai soif. Alors ça c'est une boisson typique à Moscou, enfin à Moscou. En Russie ça s'appelle le kvass. On dirait de la bière. Le kvass. C'est pas de la bière, c'est de la limonade au pain. Au pain hein? Ouais. Au pain, mais au pain l'arbre ou le robes? Non, le pain genre le robes. Genre du pain, du pain. T'as les tartines? Ouais, du pain. Je t'en mets pas trop parce que je sais pas si tu vas aimer. C'est bizarre. Ça sent la bière ou baba? C'est pas de la bière. Ah, c'est de la limonade au goût de la levure genre, non? Ouais, exactement. Au pain de seigle. Ça a le goût d'une limonade à la sauce soja. C'est bon? Bah, c'est que. Je mange pas la bouteille. Tu trouves pas? J'aime pas moi ça. C'est space hein? Franchement, moi je mets 2. Bah, moi je mets 6. Mais c'est une saveur vraiment nouvelle. Genre, j'avais jamais mangé un truc comme ça avant. On va manger un truc sucré un peu. Ça, c'est mes trucs préférés. C'est les pryaniki. Les quoi? Pryaniki. 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 Pryaniki.
Prea Nikkei. Prea Nikkei. Ouais, c'est mon favori. Je mange ça depuis que je suis petite et genre quand mes parents ils vont au magasin russe, c'est genre ça, c'est obligé de l'acheter parce que j'aime trop. On dirait des petits beignets. Ça se présente comme ça. C'est quoi dedans? En fait, on dirait c'est moi, je fais une dégustation. 1, 2, 3. C'est mon truc préféré. Ça a le goût des... Comme du pain d'épices. Non, des gâteaux à l'abricot. T'aimes pas? Pas voir. Moi j'adore, j'en mets 10. Je mets 5. Quoi? C'est pas beaucoup 5. Mais m'attendais à ce que ce soit un beignet en fait. Non, c'est un peu rigide. Ça, mais alors ça, genre ma mère dès qu'elle va à Moscou, elle m'en ramène. C'est mes bonbons préférés. Genre je peux en manger 40 à la suite, c'est trop trop bon. Ah bah, je pourrais pas t'expliquer comment ce que c'est. Ça s'appelle Chichi Amaraco. On dirait Chichi et Gros Minet, genre un Gabonais. Redis. Chichi Amaraco. Mais la traduction c'est encore mieux. Ça veut dire quoi? Lait d'oiseau. Donc je te laisse manger. Maraco, ça veut dire un oiseau? Maraco, c'est lait. Mais Joanne, tu sais que je fais un sacrifice parce qu'il m'en restait genre 6 chez moi. Il y a quoi dedans? Ma mère, elle est rentrée il y a 2 semaines. C'est un chocolat avec quoi dedans? Tu verras. Du chamallow. Je sais pas ce que c'est. C'est trop bon. On dirait un peu un Kinder. Je t'ai fait saigner. Ouais, je me suis mal rasé. Bah franchement. Je mets 50 sur 10. Chichi Maraco, un délice au pot. C'est vrai? Non, bah je t'en donnerai pas d'autres. On va passer sur un truc... Des bails de hareng fumé qui a pêché dans la mer russe. Je sais pas comment on dit. C'est sprouté. Sprouté. Attends, on va demander à ma mère ce que c'est en français des sprouté. Si elle t'aime pas, elle décroche, elle t'aime pas ta mère, je te dis. Ça va, maman? Ça va, oui. Qu'est-ce que je voulais te demander un truc? Bah, demande en russe. Oui, mais attends, faut que je te demande une question. Vas-y. C'est quoi sprouté? Sprouté, c'est. Ah, ok, trop super. Tu me manques, Nazilia, gros bisous. Bisous, tu viens ce soir avec le baba. Ouais, je vais venir ce soir, t'inquiète. Allez, bye, maman. Tu vas passer sur ma vidéo. S'en bat les couilles. Elle s'en tape de nous. Donc ça, c'est des petites sardines, comme elle vient de dire. Elle est trop mignonne, je crois que c'est... Dans de l'huile. Tiens, fais-le parce qu'on est quand même dans la chambre de Lisa. Lisa, j'ai pas envie de tout salir. Bah franchement. Ouais, vu le bordel que c'est, Lisa. Ah ouais, c'est vraiment des... C'est cher mignon. Regardez comme elles sont mignonnes, les petites sardines. On dirait qu'elles dorment dedans. Moi, j'en mange une. Est-ce qu'il y a des os dans les sardines? Je sais pas, mais elles sont tellement petites que franchement, tu vas rien sentir. Putain, tes grands ongles de Cardi B, là. Elles sont bonnes, ces petites sardines, on le voit. Ouais. C'est bon, hein. C'est hardcore. Ce sont des petites tartines de beurre. Je te les laisserai. 9 sur 10. Moi 10 parce que j'aime trop le poisson. Cul du cul. Tu veux faire quoi là? Je veux goûter le fromage bizarre et tu me passes une tartine après. Mais le fromage bizarre, je saurais pas comment traduire, c'est du kéfir. C'est le truc préféré de ma mère. C'est du fromage un peu liquide genre. Comme du yop. Jusqu'à elle m'a dit le laisse pas chez Joanne, ramène-le. Je me dis mais comment tu veux que je ramène ça? Ça me dégoûte. Alors ça je touche même pas. Ah mais non, c'est de la faisselle. Ça goûte de la crème fraîche. Ils adorent ça à Moscou, enfin en Russie. C'est quand qu'on y va, Roubaba? Quand tu veux. C'est vrai, on peut y aller? Ouais, j'ai ma tante. 10 sur 10. On dirait de la vaisselle encore plus grave. Maman, c'est pas moi qui veux pas le ramener, c'est Joanne, il va tout manger. Une petite tartine? Ouais, seulement si tu me la fais et que tu manges avec moi dessus. Ouais, mais je vais m'en faire une parce que ça, c'est mon truc fave. Donc je me retourne, je vous tourne les dos, mes cœurs. C'est quoi ce pain, Roubaba? Il est tout noir. C'est du pain russe. Et là, maintenant, elle va me faire goûter de la moussaka. Non, c'est pas... Putain, quel con. C'est pas de moussaka. C'est de ikra baklajanovaya. Ah, j'ai tout compris. Ça signifie caviar d'aubergine, c'est trop bon. Ah, j'adore caviar d'aubergine, je connais. Il y en a tout le temps chez moi. Hein? Le pain. T'as le goût des steaks de soja. Tout est soja à Moscou, du coup. Ah, bah ouais, franchement, c'est healthy, hein. Bah, je crois que c'est pour ça qu'elles sont maigres, les Russes là-bas. Bah, il y a des steaks qui étaient. C'est bon ou baba? Ça, c'est cher, hein. 10 sur 10. Ouais, moi, baklajan, je mets 50 sur 10. On va boire une babiole. Ça, ça a l'air hyper bizarre. Déjà, ça, la ça couleur, s'appelle ça s'appelle du tarhoun. Si, ça, c'est cher, hein. Ça a quoi? On dirait un médicament. Ah non, je peux pas. C'est à l'anis. J'aime pas l'anis. C'est pas à l'anis. Regardez déjà la couleur. Est-ce que ça me fait confiance à quelqu'un? Ça a la réglisse, j'aime pas. Oh, moi j'adore. Zéro. Ah bah t'as bu. Ah, je peux pas boire ça, genre. Tu t'arrives plus jamais sur ma chaîne. Ouais, bah en même temps, je me fais. Tu me testes comme un cobaye, wesh. Non, mais je les connais les trucs. On dirait Poutine, il m'a enfermé dans une pièce, il m'a dit tu vas goûter ça, 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 ça. Ça c'est charbon, moi je mets 7. Elle est charbelle ma chatka. Là tu vas goûter mon truc fave de chez Fave. C'est comme des chips mais c'est sucré. Regardez la blonde, mais sûr je dirais pas Laura. Laisse Laura tranquille. Ça s'appelle kukuruznaya palochka. Kukuruz, ça veut dire quoi? Kukuruz, ça veut dire maïs. Kukuruz, ça veut dire maïs? Ouais. C'est super drôle. Kukuruznaya palochka, des bâtonnets de maïs.
Et ça, c'est genre sa grand-mère comme c'est bon. C'est des chips. Je peux en manger pendant des heures. Mais c'est, on dirait c'est sucré. C'est sucré. Ah, c'est hyper bizarre, les gars. C'est genre des... comme des curly, mais sucré. Trop bon. Comme du popcorn un peu. Ouais, ça fond dans la bouche en plus. Ça a goût de Cheetos, mais en sucré. C'est exactement la même matière que Cheetos. Ouais, c'est ça. Lena goûte Kukuluz Neparochka. Kukuluz situation. Ouais, bah ça, c'est mon truc préféré. C'est le meilleur truc. Enfin, en fait, c'est ça et petit chien malakwa. Ah, on a chopé de l'ASMR. J'ai pas envie de m'arrêter pour pas voir. Mais c'est horrible, Kukuluz Neparochka. Pourquoi tu ris, t'es con? Kukuluz Neparochka, c'est n'importe quoi. En plus, le mec à l'épicerie voulait me vendre un paquet de 1 kg. J'ai dit wesh. Il a vu ton gabarit. Bah, me touche plus à mes Kukuluz Neparochka. Tu m'exprimes de dire, ça me fait rire. Bah oui. On dirait genre c'est grave tout le monde rap game, tu vois. Pour ta mixtape. Et ce soir on reçoit ce gros débat. Genre c'est cher la version russe de Cardi B. Kukuluz N, genre. Joël, mon make-up. Fais tourner un peu les Kukuluz. Il m'a fait pleurer ce con. Donc voilà, tous les produits que j'ai achetés viennent du magasin Bielorska qui est situé, je vous l'ai dit en russe, 49 rue Van Klein dans le 2e arrondissement de Lyon. Il y a... Ah, mais je sais où c'est. C'est vers la place Ampère. Plus sérieux, mes amours, merci de nous avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Joël, d'être venu. Bah, de la Se Force. On est ensemble. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, mais il l'a dit déjà. Et puis, on est ensemble. Kukuluz Nemouch. Ya, ya, ya. Je vous aime.